aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc dans mon nouvel environnement, ma nouvelle pièce, voilà, mon nouvel atelier. Donc, du coup, vous voyez derrière moi, ça a changé. Donc, vous l'avez vu également dans la précédente vidéo où je vous ai fait un scrap room tour. Et aujourd'hui, toute petite vidéo, parce que je vous avais montré dans cette vidéo que j'avais fait un nuancier pour les feutres Action. Et donc, je voulais vous le montrer d'un peu plus près. Donc, le voilà. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, fabriqué, quoi que ce soit. Hein. Je l'ai trouvé sur Pinterest. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour le trouver si ça vous intéresse. Donc le voici. Alors, regardez pas là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, il est presque terminé et donc quand il n'est pas fait, donc voilà ce que c'est. Alors, ce qui est bien dans ce nuancier, il y en avait plusieurs hein, sur Pinterest. Et celui-là, je l'avais vu dans une vidéo qu'on m'avait aussi conseillé. Et bon, sur Pinterest, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuanciers. Et donc, il y en a qui sont déjà faits avec la couleur. Donc, cela, ça ne sert à rien de les imprimer. Il y en a qui sont vierges. Donc, vous avez juste les cases. Ça ne m'intéressait pas non plus parce que bon, ça aurait été écrit à la main. Voilà. Pas parce que je n'aurais pas voulu écrire à la main, mais je voulais que ce soit net. Oui, mon côté maniaco est toujours là. Donc celui-là m'a plu. Alors malgré qu'il y a dessus deux ou trois manques, il manque trois feutres. Oui, je crois que c'est trois feutres qui manquent, oui. Donc là, obligé de les rajouter à la main. Mais bon, c'est pas très grave. Il manque le noir. Il manque le blanc. Bon, le blanc. Et il manque alors, je l'ai rajouté. Un vert. Voilà, un vert menthe. Donc, c'est tous ceux, c'est les seuls que j'ai vus manquant dans ce nuancier. Donc, je les ai rajoutés, comme je vous dis, à la main. Et bon, sinon, c'était, ça ne me posait pas de gros problèmes. Mais bon, là, par contre, comme je le disais, moi, je l'ai fait. Par contre, je vais le refaire. Parce que ici, vous voyez. J'ai un feutre, quand j'ai voulu faire mon petit carré de couleur, toute l'encre a coulé d'un coup. Il a fui. Donc, je pense que je referai dans la semaine ou quand j'aurai le temps. Et je le referai parce que ici, la ligne qui est en bas, il n'y a pas les carrés. Voilà. Donc, je referai juste bien les carrés au stylo pour que ce soit bien net au niveau du coloriage. Mais bon, voilà, je vous dis, ça, c'est mon côté maniaco. J'aime bien que ce soit carré. Mais sinon, voilà. Donc, ce qui va me permettre dans ce nuancier, ben, c'est de savoir ce que j'ai en feutre et ce que je n'ai pas. Et ce qui est bien dans celui-ci, alors je pensais que les nouveaux feutres, donc ceux-là, ceux qui font un côté pointe fine et un côté brush, donc côté pinceau, je pensais que c'était des nouvelles couleurs, parce que malgré qu'ils marquent inclus nouvelles couleurs. Voilà. Mais je ne sais pas quand est-ce que la personne qui a fait ce nuancier l'a construit. Parce que toutes les couleurs sont dans le nuancier.
Donc, vous avez les anciens comme ça, donc les petites boîtes de 24 et les boîtes donc de 36. Donc là, il y en a deux, hein, comme ça. Vous aviez celle-ci avec tous les tons marron, il y avait du marron, du rose, du gris, voilà, tous les petits gris souris, là. Et il y avait celle-ci, donc avec tous les tons plus colorés, les rouges, les roses, les jaunes, les verts, les bleus. Donc, il n'y avait que deux boîtes. Donc, dans ce nuancier, vous les retrouvez. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont marqué « Inclus une nouvelle couleur ». Parce que, ben, elles y sont. À moins que la personne ait fait ce nuancier une fois que les boîtes étaient sorties. Je ne peux pas vous dire. Donc, ceux-là, elles étaient déjà sorties depuis un moment, hein, les 24, 24 couleurs. Donc, j'avais une et deux boîtes aussi. Voilà. Tous ceux, les individuels, individuels, vendus par trois, ceux-là, je ne les ai plus depuis longtemps, je les avais revendus. De toute façon, sinon, ça m'aurait fait des doublons. En sachant que là, en ayant les quatre boîtes, j'ai quand même des doublons. J'en ai pas beaucoup. J'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai trouvé 7 doublons. Donc, ce qui m'a permis, du coup, en faisant le nuancier, de regarder, de trouver les doublons. Mais vous voyez, donc mes doublons, je les ai marqués là. Et ça m'a permis de voir que j'avais quand même des doublons sur ces quatre boîtes. Mais bon, ça va, j'en ai que 7 en double. Bon, bah, quand il y en aura un qui sera usé, je sais que j'en ai un deuxième dans une autre boîte. Donc voilà. Donc, je voulais vous montrer ce nuancier que j'ai commencé à faire. Voilà. Alors, là, par contre, je vais chercher ici. Voilà. Là, c'est les feutres aquarellables. Pas facile à dire. Hein. Là, je cherche le nuancier pour celui-là. Bon, en sachant que là, c'est nouveau. Hein. Alors, par contre, si vous, vous avez déjà trouvé le nuancier pour les aquarellables, je suis preneuse, parce que là, je cherche et je trouve pas. Sinon, bah, tant pis, je le ferai à la main. Hein, parce que, mais en sachant que moi, comme je n'ai pas Word, bah, je suis obligée de faire vraiment à la main. Voilà. C'est pour ça que ça m'embête. Même pour faire un tableau, je peux pas. Il va falloir qu'un jour, j'investisse dans le logiciel pour avoir Word et Excel. Mais bon, ça coûte cher. Donc, on verra un de ces jours. Mais bon, si quelqu'un a vu passer le nuancier donc pour ses feutres, bah, faites-le moi savoir en commentaire ou en message privé sur Facebook. Je suis preneuse. Donc, voilà. En même temps, je ferai peut-être un nuancier pour cela. Voilà, ça c'est alors, hop. Il y a ici toi, donc ça c'était les derniers, c'était les brush pen, voilà, mais là il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de numéro de noté, il n'y a rien, donc je sais pas, non je pense pas que je ferai, je dis que je vais en faire un, mais non je crois pas que j'en ferai un, puisqu'il n'y a pas de référence dessus, donc ça sert à rien, non. Donc voilà. C'était ma petite vidéo aujourd'hui. Et puis, si ça peut vous aider, donc je vous dis, ce nuancier est à télécharger hein, donc sur Internet. Il a été fait par Tammy Mayberry. C'est un blog. Donc, il a été partagé sur Pinterest. Alors, beaucoup de personnes l'ont déjà partagé hein, sur Pinterest. Donc, je vous mettrai le lien. Après, vous faites ce que vous voulez, si vous le souhaitez ou pas. Enfin, bon. Moi, en plus, ça me permet de voir justement bah, les couleurs. Parce que, en plus, ça vous permet de voir que les couleurs que vous avez sur les bouchons, ça n'a strictement rien à voir avec la couleur, avec le résultat du feutre, de ce que vous colorez.
Vous avez des jaunes qui sont jaunes pimpants sur le feutre, et quand vous le faites, c'est jaune cacadois. Voilà, donc ça permet en même temps donc, de voir les couleurs réelles avant de faire votre dessin. Donc voilà. Voilà, c'était juste une petite vidéo de 10 minutes hein, pour vous dire ce que ma petite trouvaille, et peut-être que vous l'aviez déjà trouvé hein, et peut-être que vous avez déjà fait des nuanciers. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. À bientôt, bisous bisous.